Allez. Oh non, 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 t'as pas loupé, Lisa, t'arrives juste à temps. Salut. Ça fait longtemps, hein? Donc évidemment, c'est l'occasion de me dire si tu vois des soucis. Ça te manquait pas cette musique? Ah oui, on est d'accord, hein. C'est pas la meilleure. Tu es sur téléphone. Ok, je vois. Bon, au moins tu m'as entendu. C'est déjà ça. GLA Chef, merci pour le GLA Chef. Non mais là franchement là ce soir c'est vraiment pour le fun de voir si ça fonctionne bien. Je regarderai un peu la VOD après. Ouais, j'imagine que l'équilibre entre la voix et le jeu est pas forcément top. Mais je pourrais pas non plus mettre un volume sonore très important étant donné que. Après, c'est les voisins qui risquent de se plaindre. Ok. Ah non! C'était pas prévu ça. Oh putain. Et voilà. Eh ben écoute, tu sais quoi? Ça va être l'occasion de passer au jeu suivant. Magical Drop en version MVS, mais j'ai Puzzle Bobble. Je pourrais l'activer aussi. Oula, j'aime pas ce bruit. J'y suis peut-être allé avec un peu trop d'enthousiasme. Ok, c'est mieux. C'est un peu fort ça. Voilà. Ouais, ça se la pète, c'est trop bien.
c'est vraiment le pied. Oula. Oui, on est d'accord. Ces petites musiques, elles sont quand même bien cool. Le vinyle, il y a un vinyle de ce jeu? Eh ben. Ah oui, même série, d'accord. Oh, ça va, non. Bon, bah jusqu'ici tout va bien. Non mais t'arrives à bien m'entendre là? J'ai du mal à croire que t'arrives à m'entendre avec ce brouhaha. Non, c'est pas ce que je voulais. Et bah tant pis. Hop. Ah. Loufling. Ok, bah c'est cool si tu m'entends bien. Quel bordel.
Oh là là. J'ai même pas eu le temps de regarder si j'avais fait une chaîne correcte. J'étais un peu en panique. Oh. J'ai dû faire saturer le micro là, je me suis exclamé, c'était pas prévu. Oh là 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 là, j'ai paniqué encore. Oui non, c'est le moment où il devient très méchant là. Ouais. Merci. Honnêtement, une vie perdue à ce stade. Ça. Non, deux vies perdues à ce stade. Bon, ça va quand même. Pour une reprise, ça va. Oups. Donc là, les rouges, il faut pas que je les prenne. Faut que je tente les jaunes tout de suite. Ok, c'est fait. Oui, Linko, bah effectivement, j'ai pas vu streamer de Radiant depuis un bail. En revanche, je l'ai vu sur je sais plus, un de ses deux comptes. Il a streamé du Dragon Quest 3. Un jeu de rôle sur NES. Qui a d'ailleurs pour particularité d'avoir eu comme chief programmeur un certain Kan Naito. Donc c'est assez rigolo comme parallèle. Enfin, quand je dis c'est assez rigolo, Kan Naito c'est le développeur principal de Landstalker, alors c'est ça qui me fait marrer quoi. Oula, quel défilage. Oups. Et oui, décidément, Kan Naito est partout. Alors attends, c'est quoi déjà la suite? Je sais plus. Du bleu. Du jaune, ok. Oh non, j'ai eu du rouge après. Je teste quand même, mais j'y crois pas trop. Ouais, non, la chaîne c'est pas continue. Existe-t-il une phobie du ressenti de que Kan Naito nous observe? Non mais... Après les arbres et les canards. Oh, après les jokes.
Mais pourquoi j'ai pas utilisé ma Radiant Sword? J'aurais dû, pour me sauver de cette situation. Oula, on se calme. Ah bah d'accord, j'ai loupé l'autre. J'ai complètement oublié l'itinéraire. Alors, ne pas paniquer, ne pas paniquer. Ok, j'ai de la chance. Wouah! Trop la frime! Non! J'en ai loupé un. Tant pis. Oh putain de merde! Non, il n'y avait pas de rien de sort à dispo là. C'est pas grave, je suis content, j'ai quand même réussi globalement le stage 2. Disons que j'ai fait le plus critique pour avoir un max de points. Oh là là. C'est un peu la panique là. C'est quoi déjà la suite? Une chaîne de rouge. C'est là. Oh putain. Attends, oui non c'est bon, j'ai pas pété la chaîne. Ouf. Vingt tensions à me regarder. Allons, allons, c'est très relaxant, regarde ce petit dragon comme il est mignon. Contemplatif comme atmosphère. Par où je passe là? Je panique. Ah, c'est bon.
On se calme, on se calme. La suite, ça va être avec du B de mémoire. Ah oui, alors par contre, faut que je me débarrasse de ça tout de suite pour choper des boulettes, hein, pour me protéger. Mais non, c'est perdu ça. Mais non, j'aurais pas dû. Allez, pixel perfect là. Ah non, non, c'est pas pixel perfect. Putain, c'est tellement la panique, cette phase. Un trou. Dégage le croissant. Ok. Ça va, c'est propre. Oh, OMG! Salut le Crex! Comment ça va? Tu as loupé quelques minutes de test, voyons. T'inquiète, ce n'est que le début des dingueries. C'est juste une session de test pour confirmer que ça se passe bien, donc... Surtout, n'hésite pas à faire des retours si l'image ou le son ont des soucis. Ou merde, c'est pas vrai que ça se passe. Hop. Alors attends, pas le bleu. Voilà. Non, j'ai eu un bleu. J'ai paniqué, je sais pas faire ça. Je capture le son par la caméra au-dessus de ma tête en fait. Donc ça peut expliquer que ce soit déséquilibré. Oh purée, je me suis jeté sur le petit missile bleu. C'est pas bien. Donc après je peux baisser le son de du jeu aussi, hein, tout bêtement. Ah non hein. Ok d'accord, j'étais prêt. Je venais de baisser le bras gauche pour essayer de baisser un peu le son de la borne. Mais non, j'ai bien compris que c'était sacrilège. À l'aise, hein. Oh la vache, oui, je me disais bien qu'il avait changé d'arme. Ce sera pas un 100%, je me sens pas à l'aise du tout. Voilà, voilà. Bon débarras.
Mais oui, en tout cas, ici, ça va bien. Je suis content d'être arrivé à un stade où mes bricolages arcades se stabilisent et je peux enfin en profiter et bah, le partager surtout. Donc ouais, comptez sur moi pour remettre du Beans and Bullets. C'est la panique totale. Je sais pas faire en moyen, enfin en difficulté moyenne là-dessus, c'est trop difficile pour moi. Oh purée. Non! Petite boulette, petite boulette. Oh là là, c'est la panique, ça y est. Je vais même pas réussir à le tuer. Ouf. Yippie tralala, poète poète, dit-elle. Oh bah oui, bien sûr. Nous avons encore plus d'opportunités de faire une chaîne de rouge. Allez, c'est reparti, on se concentre. Oh là là, c'était risqué. Attends, j'ai eu un bleu là? Quand même pas. Non, c'est bon. Oh. Non, je panique. Ouais. J'ai clairement perdu mes habitudes ici. Oh purée. Non, j'ai eu un bleu, je crois. Et oui. Non, encore un bleu. Bon, c'est pas grave, on se fait plaisir. Oh là là là. Oui, non, là, y a rien qui va, en fait. Oh là là. Ah. Tant pis. Il est pas serein, Louise. Dégage-toi. Ok. Oui, ok, j'avais complètement oublié que ça enchaînait comme ça. Déjà plus que 4 vies. Et ben c'est pas gagné. Oh, oh quoi, comment j'ai fait pour survivre à ça? Bon, on va peut-être penser à le tuer lui. Oh là 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 là, mais beaucoup trop de missiles bleus. Ouais, beaucoup trop d'ennemis bleus aussi. Tant pis. Allez.
4 vies pour terminer le jeu, j'y crois pas parce que je sais pas faire Xyga en niveau moyen. On va voir ce que ça donne. Ouais, il y a des phases où je vais pas y arriver. Mais bon, ça va pas m'empêcher d'essayer. C'est comment déjà? C'est quoi l'arme pour l'attaquer au départ? Comme ça. Oui, ça y est. Non, mais les palpitations, faut se calmer, Elise. Non, je suis pas large du tout là. Si j'étais en niveau easy, oui, je serais large. Mais là, non, en niveau normal, pas du tout. Je sais plus comment je fais. Mais pourquoi il m'attaque pas avec une deuxième arme? Ah voilà. Ok, d'accord. D'habitude, ça va beaucoup plus vite. C'est clairement la panique, là. Ah, la fameuse phase où j'y arrive pas. Oh, purée, comment j'ai fait ça? Oh, bah. Je crois que j'aurais dû commencer par un côté. Je sais plus comment ça marche. Non, ça suffit pas? Ok, tant pis. Aïe. Putain, je me rappelle plus comment ça marche, ça. Ouf, heureusement qu'on va pas faire un cycle. On n'est pas loin des 7 millions. Il y a moyen de grappiller une vie. Ça sur la borne, c'est tellement cool. Il était temps que ça s'arrête. Allez, on garde son sérieux jusqu'au bout. Ça aussi. Ouh, purée. Ça s'arrête quand? Ok.
Oups. Merci Ocrex. Bah, c'est mon premier 1cc sur la borne. Et en normal. Bon, après, c'est le stage 2, hein. C'est plus facile que le stage 4. Mais ouais, non, franchement, je suis déjà super content. Heures. Oh là là, la nuit est à nous. Génial, mais on va se contenter du 1cc et puis il faudra que j'apprenne à faire le stage 5 correctement en difficulté normale. Que des high scores, logique. Ok, bon, donc à première vue, ça fonctionne bien. Bah, on va repartir sur du Puyo. Et puis, ouais, je vais activer aussi le MVS avec Puzzle Bobble, histoire de me faire plaisir un peu sur Puzzle Bobble. J'ai envie de le one crediter aussi. J'y suis pas arrivé encore. Hop. Le premier ennemi, il est tellement bête. Ce sont de coins. OMG, il y a Wisebot qui vient de bannir un bot. Trop cool. OMG, il y a la modératrice qui a banni le bot.
Oups. Oui, ça peut le faire. Ok, je sens qu'il va me prendre la tête, lui. Tentons comme ça quand même. Allez, soyons fous. Ok, ouf. Je vois qu'il n'y a pas que moi qui fais des tests ce soir. Ouais, il va falloir qu'on se dérouille, hein, Lise. C'est la saison des streams qui reprend, presque. Non, c'était pas ça, le deal. Et ouais, voilà. Que fais-je, que fais-je, que fais-je? Ok. Bon bah c'est pas très rapide tout ça. Hein. Mmh. Évidemment, ça va tomber. Ouh, j'ai de la chance. C'était quoi le délire là? Éventuellement, sauf que maintenant, si j'ai pas de violet, c'est la merde. Ouf. Eh bien, je suis en train de tilter que je fais du. Je fais des constructions type GTR, alors qu'en fait, on est en 5 couleurs. À partir d'un certain stade en mode normal, là, donc. Faut pas que je m'embête avec du GTR en fait. Ça peut expliquer pourquoi j'ai du mal à construire. Allez.
Non. Sinon, c'est quand que tu crèves, toi? Ok. Les restes du HFS. Ben oui, tout à fait. Ah, évidemment. Non, c'était pas prévu comme ça, tant pis. Non, c'était pas ça. Bref. Ça va, 30 secondes, ça reste efficace. C'est nul ça. Tant pis. Oh, le Satan masqué. Oui, Ocrex, on a été au HFS aussi cette année, le dernier à Vierzon. Et c'était super bien une nouvelle fois. Non, non, mais effectivement, c'était vraiment bien parce que. Bah, bon, c'était. Comment dire, identique à l'édition de l'an dernier. Avec en plus le fait que cette fois-ci, on connaissait un peu les gens de la communauté Puyo, donc c'était cool de les retrouver. Bonne ambiance, on a bien eu l'occasion de sympathiser aussi le soir. Et puis, ouais, franchement, on s'est bien amusé. Et cette fois-ci, j'ai réussi l'exploit de ne pas avoir de migraine, ce qui fait que j'ai pu profiter des 3 jours à fond, du début à la fin. Donc, super content. Je m'étais préparé à l'avance en me sevrant de café. J'avais fait en sorte de retrouver,
comment dire, mes petits nerfs, une capacité à supporter le bruit, la fatigue, et à m'en remettre rapidement. Et ouais, je suis super content là, j'ai. Depuis que je ne prends plus de café, sauf du déca, et ben bizarrement, j'ai plus de mal à la tête. Donc voilà. Ça m'a permis d'en profiter à fond. Bah tiens, toi, Greg, tu dois connaître Ken Bogart. Cette année, il y avait Ken Bogart qui était là non seulement pour les commentaires des tournois de baston, mais qui était aussi présent en tant que participant du tournoi de Puyo. Et donc, j'ai eu... bon, en winner bracket, j'ai eu l'honneur de perdre contre Iku, le meilleur joueur français et européen. Donc voilà, c'était amusant. J'ai quand même réussi à lui prendre 3 points, j'étais très fier de moi. Et puis en loser bracket, j'ai eu l'honneur de perdre contre Ken Bogart. En FT7, j'ai perdu. Attends, alors que je rentre mon nom correctement. J'ai perdu 7-6. Alors que je menais 6-5, donc je peux m'en vouloir. Mais c'était trop cool de le croiser. Et avant qu'on joue, j'ai eu l'occasion de le remercier pour son stream de Paris-Roubaix où il a fait son parcours 70 km le samedi. Et c'était trop rigolo de voir ça en vue subjective. Et il était content que je lui fasse ce retour-là. Et donc ouais, c'était un moment rigolo. Et ben, je suis content, j'ai 1CC à la fois Radiant et Puyo Puyo. Et ce que je vais faire, c'est que dans la foulée, alors j'active un Deep Switch qui va me permettre de passer à un autre PCV. Et voilà, le BIOS Neo Geo qui s'active. Ah ça, ouais, cet écran vert, on y a eu droit, hein, même sur émulateur. C'est trop choupi! Let's go! Oups! Allez, un petit noir! Voilà! Oula. Oui. Perdu. Ah, pénible. Là, voilà. Je suis pas sûr de l'atteindre. Allez, ça se tente. Perdu. Aïe, ça me fout dans la merde, ça. Oh putain, c'est la merde. Non mais non, c'est pas ça que j'aurais dû attaquer. Bref. Ouais. On se détend. Et non, toujours pas. Ok.
Oula, j'ai le son qui crache, ça m'est déjà arrivé sur ce PCB. Je sais pas si c'est des problèmes de faux contact avec la carte ou si c'est le PCB qui a pas. Qui peut avoir des soucis aussi. Quand ça commence comme ça, généralement, ça finit par partir en vrille et on perd le son. Donc je vais peut-être finir par lancer le Mister FPGA pour y jouer à la place. ouais, de toute façon là. C'est fini là. Et ouais, fini. Ok. Je sais pas si ça mérite de mettre son nom ça. Ce que je peux faire, c'est ouais, lancer le Mister FPGA pour voir. Alors attends, j'ai plus de lumière là. Quel deepfake il faut que je. Hop. Ok, ça devrait le faire comme ça. Je vais retenter ma chance quand même à Puzzle Bobble. Guigui dit le magieux. Alors attends, peut-être que dans console j'ai Neo Geo direct? Non, j'ai pas ça. C'est dans Games. Ok. World. Puzzle Bobble. Je suis pas sûr de l'avoir déjà configuré lui. Ah si, Define Neo Geo Buttons, donc c'est forcément le cas. Perdu, ça fonctionne pas ici. Ok, je ne l'ai pas configuré comme il faut. Ok, c'est le bouton 5, pourquoi pas. Let's go! Par contre, là, ça a l'air peut-être beaucoup plus sombre pour vous au niveau capture d'écran. Il y a moyen que le Mister FPGA il ait besoin que je change quelques paramètres de vidéo. Pour que l'image soit un peu plus amplifiée. Là. Allez. Non, toujours pas. Oh! Très hasardeux tout ça. Ah non, ça risque pas de passer. Oui, c'est sombre, ok. Bon, bah là, effectivement, je vais pas forcément pouvoir faire grand chose en live, mais ouais, j'avais noté ça déjà. Il va falloir que j'y travaille. Après, bon, c'est pas indispensable, honnêtement, que je stream du Mister FPGA puisque j'ai le Recalbox qui suit et qui fait tout bien en fait. C'est bien ça. Un petit verre peut-être? Non mais le violet on s'en fout. Allez, un petit verre. Voilà. Regardable maintenant pour vous là. C'est vrai que c'est pas très agréable. Hein. Je me retourne sur mon grand écran là pour voir OBS. Et ça a pas l'air génial. Hein.
ça se passe. Hein. Ok. Ouh. Évidemment. Oh là 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 là. Ça se complique, ça se complique. Ça se complique beaucoup trop là. Hein, quoi? Ah mais oui, c'est vrai. Bah, c'est fini en fait là. C'est mort. Tant pis. Ok, donc le Mister FPGA trop sombre. Je vais m'embêter avec ça. Nuxt. Le petit recall box avec Tetris The Grandmaster Plus. Non, c'est quoi le nom exact, je sais plus, mais bref, TGM 2+. Qui démarre par défaut. Et ça, c'est très cool. Ça te repose les yeux, Ocrex. Ok. On va mettre un mode repos pour le repos des yeux. Passé 23 heures, il faut commencer à baisser la luminosité dans la pièce pour avoir sommeil. On va faire des streams avec baisse de luminosité progressive. Version dark avant le dodo. Là, je suis désolé, là, vous allez avoir un mode jour à nouveau avec des couleurs pétantes. Tu me diras, ça doit fonctionner ça aussi. Eh oui. Allez. Ça c'est pas très malin, voilà, faut patienter. Être moins bien construit là.
Ouais, évidemment, ça accélère maintenant. C'est la panique, ça y est. Ok. Non, pas bien ça. On s'en va. Nul. Pourquoi? Ok. Mon petit cerveau ne va plus assez vite. Pour finir, ah non, ça finit pas ça. Allez hop. Perdu. Ah, je sais pas les tourner. ...4,40. Ah, c'est pas aussi bien que Dino, mais c'est déjà honorable. Merci pour les GG. 4,40 tout à fait. Le jeu inscrit dans la bourse? Non, pas du tout. Ok, donc ça fonctionne bien, première vue. Il y a un Puyo Puyo que j'avais envie d'essayer. C'est Puyo Puyo Sun, dont je viens de découvrir qu'on pouvait le configurer pour tourner correctement sur Recalbox en version STV, là, en changeant la version de MAME qu'on lance. Si on prend MAME 2003+, et ben ça tourne très bien. Voilà, il est bien là, c'est cool. Ah! Non, ça c'est pas bon signe. C'est pas le bon émulateur, sinon j'aurais pas eu un son aussi entrecoupé. Donc pour lancer le jeu avec le bon émulateur, bah oui non, on veut pas du default, on veut du MAME 2003+. Pourquoi il n'a pas conservé la conf? Attendez voir. Je vais tenter un petit restart, voir si ça aide à sauvegarder la conf ou pas. Peut-être que j'ai configuré ça puis que j'ai coupé net sans sauvegarder.
suspense. Donc évidemment, il va redémarrer sur TGM. Donc on quitte. Et là. Allez. Ah, c'est un peu long la première fois. Donc, Puyo Puyo. Et là, c'est bien sur Libre Retro. Ok, donc je vais pas dû le conserver. Ok, let's go. Allez, cette fois-ci, je veux un joli son pas coupé. Hein? Quoi? C'est quoi ce délire? Mais j'avais pas ça, moi, tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, non, c'était hier que j'ai fait ce test. C'est dégueulasse, là. Qu'est-ce qui va se passer? Oula, d'accord. Attends. Ok. On va quitter, hein. Mais j'ai peur parce que un son qui crache comme ça, j'ai du mal à croire que ça puisse être l'émulation. Pourtant là, le son il est correct. Ah, pourtant ouais, on dirait que c'est bien l'émulation. C'est fou. Que se passe-t-il? MAME 2003. Je tente, hein, c'est l'occasion d'expérimenter un peu. Et désolé pour vos petites oreilles. Je teste. Oh, c'est tout propre. Par contre, le copyright, ouais, voilà. Ok. C'est bizarre, je suis sûr d'avoir essayé le 2003 plus. Mais bon. Allez. Je lis pas le japonais. Ah, c'est avec le bouton 2 qu'il faut... Ouh, j'ai peur. J'ai peur que les boutons soient inversés. On va essayer. Balance ton coin. Suspense. Oh, quoi? Il n'y a qu'un seul bouton de rotation? C'est quoi ces conneries? Attends. Non mais, ok, d'accord, donc c'est comme ça, c'est mappé comme ça, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens, je ne sais pas pourquoi. Bon, on va déjà faire ça, mais... La configuration des boutons, elle est vraiment chelou, là. Oh, le all clear. Fonctionne, c'est quand même trop bizarre. Attends, je regarde si je peux configurer ça. A priori non. Attends, mais il n'y a pas la hotkey qui fonctionne. Ok. Moi, pas comprendre. Pourquoi c'est ce bouton-là qui mène au menu? Core options, controls. Ok. On rentre dans les délires habituels de RetroArch. C'est pas forcément le moment de toucher à ça si c'est générique. Core options, manage core options. Non, il n'y a pas de deep switch là-dedans, là. Système. Bon. Specify, c'est avec BIOS, non. Input.
Non, je vais pas m'aventurer là-dedans, je risque de tout péter, de perdre patience. Tant pis, on va jouer avec les doigts écartés, c'est rigolo. Hop. Ça va pas fonctionner ça, oui. Ça ne peut pas fonctionner. Et bah tant pis, allez hop. Putain, par contre les effets c'est pas pour épileptique, hein. Ça perturbe plus qu'autre chose, hein, ce qu'il y a à travers l'écran quand tu joues là. Je pense que je vais pas m'éterniser sur ce jeu. Allez, soyons fous. Oups. Non, ça peut pas fonctionner ça. Ok, tant pis. Ok. Mais ça m'emmerde. Ok, bon. Bon, pour l'instant, c'est pas très virulent. Ah non, on se calme. Ah putain, ok, d'accord. En deux coups, une chaîne de deux et il me fait une boule rouge comme ça, ok, d'accord.
Ok, bon bah, dont acte. Je pensais à quoi? Je voulais retester Puzzle Bobble. Je me le suis pas ajouté en favori, mais j'ai bien envie. Donc B, arcade, pourquoi pas. Et puis, dans les P. Puzzle Bobble. Version Neo Geo. Japan Bay System, c'est quoi? Bon, allez. Et j'ai oublié de me mettre en favori. C'est pas grave. Donc là, il n'y a pas eu de BIOS Neo Geo. Donc c'était la première version qui n'était pas sur Neo Geo, t'es bien? Ah oui, le son est pas le même. Intéressant. Quoi? Donc il y a un mode de joueur activable comme ça là, avec un seul crédit? Ah oui, c'est ça. Bah non, merci. Next. Et viens au Crex, tu sais quoi, le pire, c'est que j'ai des brettes au sarrasin. Reviens Léon, j'ai des brettes à la maison. J'en ai enfin trouvé dans mon Carrefour Market local. J'étais content. Allez. Ça y est, tout le monde s'organise. Ah, c'est marrant, il y a un petit effet de reverb. En fait, le son il est plus sophistiqué sur cette version. C'est bizarre, l'effet de reverb il a disparu. Comment se flinguer la partie en beauté. Génial. Ah bah oui. Mieux. Ah non, mais là c'est très mal barré tout ça. Ok, ouf. Ouais, allez, je me débarrasse de ça déjà. Ok. Oh bah non! Merde. Ok, de mieux en mieux. Allez, vise bien. Ouais. Allez, tu peux le faire. Oui. Ok. Ah merde, j'aurais mieux fait viser l'autre aussi. Comme ça, le tirage était plutôt favorable là. Faut dire que c'est toujours plus facile quand on sait viser, pas comme là. Comment se mettre dans la merde en moins de 2?
Allez, Willis, tu peux le faire. Ah bah non, tu peux pas. Je sais pas si c'est bien intéressant d'aller chercher ça direct, là. Oui, je peux le faire. Hop. Allez. Non. Ah bah ça va ça. J'avais même pas tilté qu'il fallait aller chercher le bleu là-bas. OMG, OMG! Salut Kaldrak! Comment ça va? Ah, quelle heure il fait par chez toi là? Je saurais même pas dire. Mais c'est la fin de journée pour toi en fait. Oui, alors par contre, si j'ai pas vu rapidement, on va éviter de faire le zouave là. Ok. Petit violet! Petit violet! Ah voilà! Sauf que après ça, ouais, voilà. Why not? Yes. Bravo. Presque 18h. Oui, oui, oui. Tournoi de pinball. Oh, trop bien. Excellent. Kaldrak, notre pinball wizard. Il a l'air un peu compliqué ce tableau quand même là. Il n'y a pas beaucoup de couleurs qui se rapprochent les unes des autres. Oh, si seulement j'avais pu choper le blanc qu'il y a au-dessus là. Bon, il y a un deuxième violet après. Ok. Le plus malin hein. Bah, c'était pas ça en tout cas. Oh purée, y'a rien qui va, y'a rien qui va. Non mais le bleu là. Ok, ok, ok. Ouais c'est bon, tu fais plus de 100 millions régulièrement. Genre, en faisant plus de 100 millions, tu pourrais faire dernier quand même? Non, il n'y a quand même pas un niveau aussi compétitif. Allez, on y croit. Non! C'était le moment clutch. Et ça réunit beaucoup de participants ce genre de tournoi là? Dis-nous un peu. C'est populaire au point d'avoir combien de participants grosso modo? Oh, putain, je sais pas quoi faire. Ah, si ça passe, c'est beau. Et maintenant. Allez. Ouh, ça fait du bien. Commence à créer des difficultés connement. Petit rouge. Ah, voilà. Évidemment... Oui, c'est toujours cette alternance de couleurs qui complique les choses. C'est bon.
Ça roule. Eh bien, bon lurk à toi, Ocrex, et des bisous, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, alors par contre, là, il n'y a pas grand-chose qui va. Yes, pourquoi pas. Ensuite. Allez. Ah bah non, pas du tout. Ok. Oh, ce petit effet de reverb en plus là par rapport à la version Neo Geo, il fait du bien par où ça passe. Yes. 15e sur 32. Ok, ouais, donc quand même 32 participants quoi. C'est pas rien. C'est pas 3 personnes. Désolé pour cette ref de piètre qualité. En principe, si on est intelligent, ce niveau, il y a moyen de faire ça bien. Est-ce que je suis intelligent? Je tiens un truc. Oh là là, ce niveau d'anticipation à deux coups. Incroyable. Perdu. Ok. Le bleu, le bleu, il faut absolument le bleu. Ok, on a le bleu accessible, c'est le plus important. On va tâcher de le laisser accessible surtout. Pas comme ça. Allez, violet, tu peux le faire. Yes. Ok, c'est cool. C'est quoi le plus malin là? Non. Aïe 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 aïe. Allez. Non. Ok, c'est bon. Ok. Oui, j'ai eu une pensée pour toi, Lisa. Je me suis dit, oh putain, j'ai eu un coup de chaleur là, c'est possible que Lisa aussi. Ok. Non, on va taper le vert. J'hésite. C'est putain de merde. Aïe, 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 aïe. Allez, tu peux le refaire. Tu peux le faire bien cette fois-ci. Mais. Oh, purée, 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 purée. Mais à chaque fois, c'est trop court. Ok. Ok, c'est bon, on se détend. Allez, on peut le faire. Oui. Haha. Une fois, c'est très très varié comme couleur là. Ah, c'est pas du 4 couleurs de chez Puyo Puyo. Ok.
J'ai plus l'impression d'en rajouter que d'en dégommer, mais bon, on va voir. Oh putain, c'est pas ça que je voulais faire. Non plus! Et voilà. Et oui, c'est déjà du temps perdu tout ça. Ok, y a rien à faire. Oh putain. Non. Ah, j'ai pas le compas dans l'œil. Hein. Ouf. Si ça peut te rassurer, Lisa, il y a des situations qui sont pires que ça. Brace yourself. Mmh. Oh, presque, j'y croyais. Allez, on y recroit. Eh ben non, toujours pas. Ouh. Mmh. Yes. Braise yourself. Oh, c'est tellement bien pensé. Pourquoi on l'a pas fait plus tôt? Toutes ces années à passer à côté de cette blague, ça me flingue. Bah non, pas comme ça. Ok. Allez, pas trop con, Wiz. Voilà. Mmh. Merde. Perdu. Oh oui, c'est très efficace tout ça. Oh. Ouf. Ouais, non, c'est pas intelligent de se couper la possibilité du bleu, là. Oh, la musique! Je kiffe. Oui, sauf que maintenant que j'ai fait la jonction, c'est pas forcément très intelligent. Ah, putain, Wiz. Putain de toi, tu vas t'arrêter là-dessus, c'est terrible. Aïe, 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 aïe. Ouh, c'est exactement ce que je voulais faire. Là par contre... ouais non, là... ça le fait pas trop là. Ok, allez, on tente. Bon, tant pis. Ok.
Non. Non, je tente pas le diable. Je veux du vert. Je veux du vert, merci. Ouais, pas génial. Rouge, ouais, sauf que du jaune, ça aurait été mieux. Tant pis. En plus, je visais mal. Ok, pourquoi pas. C'était pas pensé comme ça, mais finalement, ça s'est bien goupillé. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir se détendre un peu? Perdu. Ah, c'est pas malin. Ok. Et voilà. La connerie qu'il fallait pas faire. Non, pourquoi un jaune? Ah, voilà. C'est pas très utile tous ces jaunes là. Moi, je voulais du orange. Putain de toi le jeu. Putain, mais il me file rien comme il faut. Ok, allez. Voilà. C'est quand même tendu là. Non! Ok, ouais, mais c'est vrai que ça me ruine pas mal de possibilités aussi, ça. Putain, allez, fais pas le con. Ok. Non. Yes. Ok. Comme ça, comme ça, comme ça. Cool. Oh, le petit jaune, là, faut le tenter. Non, 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 il faut tenter le vert plutôt, c'est plus sûr. Voilà. Ah, un éclair de lucidité. Oh voilà, il n'y a pas de questions à se poser. Oui, peut mieux faire. Ok. C'était le petit niveau de pause pour se ressourcer un peu. Avant un niveau qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas du tout, je suppose. Ouais, ça va être ça. Faut faire des rebonds intelligents. Oh, jusqu'ici, ça se passe bien. Non, ça c'est pas bien. Ça c'est bien. Comme ça, pourquoi pas. Non, pas bien. J'ai bien peur que ça puisse pas se faire, ça. Hein. Ouais. Non, mais le violet, 5 fois de suite, là, non merci, quoi. Ok. Ouais, là on arrive sur les niveaux où j'ai l'habitude de perdre. Je sais pas quoi faire.
Non, non, j'aurais dû choisir les noirs. Les choses se compliquent, les choses se compliquent. Oula, oula. Oh, si seulement... Ouais, non. Ouh, c'est bien ça. Non. Bah non, ça va pas le faire. Hop, 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 voilà. Ok. Non, j'ai pas de noir. Hop. Ah, oh, mais non, c'est pas bien ça. Le mouvement du décor n'aide pas forcément à maintenir sa concentration. Allez, allez, on creuse, on creuse. Non. D'accord, j'ai complètement bugué, j'anticipais le mouvement suivant. Pas génial tout ça. Oh putain, 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 putain. Oh non, non, bah là c'est fini, là, c'est fini. Allez. Oui. Oui. Ah non, ça c'est pas génial. Non mais franchement, non, non. Hop. 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 Non! Oh, j'y croyais! Je pensais que ça passait. Ok, d'accord. J'ai clairement fait une erreur très bête. Tant pis. Niveau 26 sur 30, je crois. Eh ben, dis donc. C'est pas gagné. Mais c'était cool. Il est quelle heure? Je pense pas avoir la force de me relancer dans Radiant, là. Ouais, il est minuit 14, je vais m'arrêter là. Mais, ouais. Super content, le résultat, je pense que ça fonctionne bien. En tout cas, c'est opérationnel pour s'amuser. Maintenant, ça reste à voir si c'est opérationnel pour... bien streamé. Enfin voilà. Trop cool en tout cas. Bah oui. C'est ce que je pense aussi. Je suis content de mon nouveau jouet. Et bah voilà, je vais faire en sorte de bien le bichonner. C'est clair que même si j'ai atteint un point stable, on va dire, c'est pas les idées de projet, de bidouille technique qui manquent. Hein. Donc voilà, on va tâcher déjà de profiter de ce qu'on a avant de tout chambouler à nouveau. Donc voilà, j'espère recommencer à streamer un peu régulièrement sur des petites parties de jeux d'arcade. Et pas que, parce qu'il y a clairement des jeux sur console aussi que j'ai envie de streamer. Maintenant que je suis un peu moins dans la bricole, j'ai envie de profiter aussi de mes petites consoles à nouveau. Enfin voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là. Hein. Et puis bah, je regarderai un petit peu la VOD, voir ce que ça donne, ce qui est améliorable. Je pense pas prendre le temps de restreamer d'ici la fin de semaine. De tous les cas, ce week-end, c'est sûr, je pourrai pas. Mais la semaine prochaine, il y a carrément moyen. Voilà, voilà.
Bon, bah, je vous dis bonne nuit, puis à bientôt. Voilà, bisous.